beaucoup, je ne sais pas si c'est autant que ça, mais en tout cas ils nous ont posé des problèmes. Ils ont fait un très très bon match, une très belle première mi-temps. Plein de courage, avec de la qualité, en défendant très très bien, avec une Balzin dans les buts qui avait confirmé le match aller. Donc une très bonne gardienne de but, beaucoup de cœur. Elles arrivaient, semble-t-il, diminuées avec leur coach qui était malade. Donc elles ont voulu sortir de ce match, elles ont joué ce match-là avec fierté, orgueil et beaucoup de tempérament. Et ce qui fait qu'elles nous ont embêtés. Vite tomber dans le côté où ça va être facile et dans le sport, à partir du moment où tu mets un petit peu moins d'ingrédients, tant sur le plan physique, sur le plan mental, techniquement tu es un peu moins bien, tactiquement tu es un peu moins bien, et puis l'adversaire il joue crânement sa chance et puis voilà, il pose des problèmes. Donc on est mal rentré à ce match là et malgré tout à la mi-temps on est quand même à plus 3. Même si le match doit durer une heure et on a fait une très belle première mi-temps jusqu'à la 25e. Après ça a été forcément compliqué par rapport au manque de rotation qu'on a forcément en ce moment. Donc on peut être satisfait même si c'est encore une défaite de plus. Mais bon, ça va être au bon augure pour l'avenir et ça nous fait de nous mettre un petit peu de baume au cœur et ça nous permet d'aborder le prochain match dans les meilleures conditions. On est toujours en train de. Il n'était pas marqué non plus qu'on a gagné le match de 15 buts. Une victoire ça se construit sur 2 fois 30 minutes et puis en deuxième mi-temps on a pris la mesure progressive dans cette équipe qui a encore défendu ses chances avec beaucoup de fierté et puis mais là, malgré tout à la fin il y a quand même un plus 9. On a réussi à prendre le dessus au but du score, mais je pense qu'on n'est pas toutes contentes de notre match. Mais bon, le principal, c'est de retenir la victoire. On s'est dit dans les vestiaires et de faire un match correct, propre, respecter l'adversaire et de faire attention à nous. Et au final, on s'est fait prendre notre propre piège. Mais comme on dit, on gagne 37-28, on récupère les points, donc c'est le plus important. Et maintenant, on va se concentrer pour la suite, parce qu'il nous reste plein de matchs. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Szczęśliwego nowego roku. Bon année.